Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Ninja Coloriage. Aujourd'hui, je suis là pour Color and Chat numéro 64. Fait qu'avant de commencer, je te dis, prends de quoi boire, prends vos crayons, vos livres. C'est temps qu'on colore ensemble. Moi, aujourd'hui, je colore dans le lithographique Color and Discover Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio et je suis en train de travailler sur le fil rouge de Zazu pour le mois de juin. Et je le fais à date. L'eau est faite au average d'horreur, puis la fleur ici est faite au average d'horreur. Fait que là pour aujourd'hui, j'avancerai pas, j'attends des nouvelles, qu'est-ce que t'en pensais? Si t'aimais ça, je peux zoomer où ce que je colore, mais tu verras pas toutes les pages. Fait que ça reste à voir, tu me dirais qu'est-ce que tu veux faire. Peut-être que je devrais assez-tu. Ouais. Fait que je vais mettre sur pause. Je vais changer de caméra. On va aller plus proche. Parce que je vais te montrer. J'ai ça ici. C'est le nouveau trépied. Que je mets juste à côté, comme ça, sur mon livre. Fait que je suis vraiment proche de mon livre pour colorier. Mais ça rapprochait. Fait que je te mets sur pause. On va rapprocher. On va tester ça. Fait que me voilà. Le problème avec ça, c'est comme tu peux voir, on a de l'ombre parce que la lampe passe. On va essayer de voir si je peux pas améliorer ça avec vous autres. C'est quand même mieux. T'as un petit peu d'ombre, mais je peux rien. C'est soit qu'on reste loin ou on a un petit peu d'ombre. Je suis en train d'essayer d'avancer. J'ai vu un caméscope qui fait 16 zooms pour 130 $. Fait que je suis en train de ramasser pour ça. Fait que, éventuellement, si tu me dis que t'adores quand je suis capable de zoomer, je vais regarder pour acheter ça. Un instant. Désolé, je rentre à la vaisselle. Ah oui, je voulais te montrer. J'ai arrangé mon nuancier que Zazu m'a envoyé. Ah, là, on est trop proche, évidemment. Un instant, je vais arranger ça. OK, on va essayer ça de même. Je vais te montrer ça. Fait que j'ai rempli mon nuancier. C'est sûr, il me reste à colorier, mais tu sais, ça c'est ça qu'elle m'a envoyé. Là, ça c'est mes crayons. C'est sûr, je les ai pas tous coloriés. J'en ai quelques-uns de coloriés, mais vraiment pas beaucoup. J'ai laissé de l'espace. Il faut que j'en rajoute. À long terme, ça ici, j'ai pas écrit, mais c'est mes crayons aquarellables. Fait que là, il faut que je rajoute des pages, mais j'ai plus d'encre. Ma belle marque-page que Zazu m'a envoyée, puis elle m'a colorié. Trop beau. Je te remonte tellement que je l'aime, regarde-moi ça. Je le laisse là. Ensuite, j'ai mes marqueurs à rayer et swatcher. Mes marqueurs à eau, marqueurs à colle vont aller là. J'ai fait un place pour les marqueurs Zazu m'a envoyé. Fait que si tu veux voir une vidéo de swatch, écris-moi-les dans les commentaires en dessous. Puis si oui, j'ai fait mes swatchs avec vous autres. J'écrirai juste mes numéros, puis je ferai les swatchs. Ensuite, ça, c'est mes crayons acryliques. Fait que, tu vois, tous les crayons, comme je disais, là, j'ai les OU puis les Artistra, mais si jamais j'ajoute des Tuli Art ou les futurs, ils vont tous venir dans cette section-là. Et voilà, ça, c'est le nuancier que Zazu m'a fait, tout préparé. Mais là, hier soir, je dormais pas. Comme tu as pu voir, j'ai eu un vidéo haul de Dollarama. Hey, regarde, je me suis pris comme inspiration sur des ajouts parce que j'ai jamais fait du scrapbooking de ma vie. Et je me suis fait une nuancier. Fait que voilà l'intérieur. Ça, c'est mes peintures aquarelles. Que je vais arranger, mais toutes mes peintures, parce que je pense que j'ai mis des acryliques avec. Oui, c'est ça. Fait que, tu vois, ça, c'est la méga palette. Fait que je vais tout swatcher mes aquarelles dans cette section-là. Ensuite, faut que j'écris les noms, mais ça, c'est la section de encre. Fait que là, j'ai Doc Martin, mais je vais mettre mes encres de stress, etc. ici. Et ensuite, j'ai cette section-là, qui est mes Liquid Pearls, Stickles, etc., qui va être ici. Et le dernier, ça va être pour mes stylos gel, qu'il faut que j'y swatch.
Ça aussi, si tu veux me voir swatcher ce sac de stylo gel-là, tu me diras. Sinon, je peux tout numéroter mes stylos gel que je prends pour mes mandalas. Celle-là. Et celle que Zazu m'a envoyée. Ça va être. J'en ai parti numéroter. Puis on peut toutes les swatcher si tu veux. Tu me diras si tu veux voir ça. Moi, ça me ferait plaisir de faire une vidéo. Où est-ce qu'on swatche tous mes stylos gel pour mes mandalas. Y compris ce qui est dans le sac et ça. En mettant les numéros. On remplirait ça ensemble. Fait que, voilà. Ça, c'était mon livre de swatch que j'ai fait hier soir. Avec mes items de scrapbooking que mon mari m'a trouvé. Il a retourné hier. On a acheté. Attends, je vais te montrer. C'est là que je commence à avoir pas mal de livres, là. On va regarder. Celui-là, je l'avais déjà. Non, ça, c'est un nouveau, je pense. C'est un nouveau ou que je l'avais déjà, attends. Non, lui, je l'avais déjà. Ensuite, ça, je l'avais. Il m'a trouvé celui-là. Et celui-là, c'est ça. Non. OK. J'arrive. Il m'a trouvé celui-là, ici. Qui a quand même des belles patterns. Oui, c'est tout ce qui était là-dessus. Il m'a trouvé aussi celui-là, qui a tout ça dedans. Et celui-là. Là, il m'a dit qu'il n'y a pas d'autres sortes au Dollarama que j'ai pas. Faut que si j'en veux d'autres, il faut qu'on aille dans d'autres Dollarama. Faut qu'on va voir. Donc, on va essayer de placer ça un petit peu mieux. Je te mets sur pause, je reviens. OK. OK. J'ai mon pinceau réservoir d'eau, mon pet, qui est tout sale. Je l'ai lavé, mais il reste taché. Je vais le mettre de côté, ici, mon pet, et mon, juste à côté, ici. Et on va commencer avec mes embryches d'erreur. J'ai le, oups, j'ai le, on va-tu être capable de voir? On va voir. Le magenta 133. Ah, on le voit, magenta 133. Middle purple pink 125. Et le light purple pink 128. Fait que là, je vais faire ce fleur ici. Je porte pas attention à les petits dessins là parce que je sais que ça va changer. Je vais passer dessus avec un encre. Pas sûr quelle couleur d'encre, mais ça va arriver. Là, c'est sûr, il y a de l'ombre, hein? Je sais pas qu'est-ce que je peux faire, à moins que je tasse ça. J'ai même mon caméra, attends. En tout cas, moins d'ombre, c'est mieux comme ça. C'est pas parfait. Mais je pense que c'est mieux pour vous autres. On va voir. Je suis en ajustement. Je veux vraiment que tu me donnes ton opinion. Si t'aimes ça de même, si ça vaut la peine que je joue avec les deux caméras. Si t'aimes mieux que je prenne juste mon caméra qui a le ring light pour pas avoir de l'ombre, mais je le branche sur la petite scène que je prends là pour que je puisse zoomer avec. Je veux vraiment votre avis dessus. Fait que vraiment, gênez-vous pas de laisser un commentaire, me dire qu'est-ce que t'en penses. Là, je vais activer. Quand je me vois ôter, c'est parce que j'ôte le pigment sur mon brosse. Je veux vraiment votre avis parce que ma chaîne, je le fais pour le plaisir de tout le monde. Puis, je veux vraiment que ça soit à votre goût aussi. Ma fin de semaine était pas mal tranquille. J'ai testé mon plastifieuse. Premièrement, j'ai testé mon plastifieuse. J'ai fait des marque-pages plastifiés. Là, il me reste à trouver une façon d'arrondir les coins. J'ai eu un bidule qui est venu avec mon plastifieuse, mais il marche pas bien. Puis juste les couper au ciseau, c'est pas égal. Fait que tout plastifié. Je peux fitter quatre par page. Fait que, mais que j'en ai quatre.
Je vais faire une vidéo parce que j'ai eu des demandes. Tout le monde veut voir ça. Fait que là, j'ai trois marque-pages prévus de coloris, mais je vais essayer de faire quatre, c'est au moins ça. Mon mari m'a acheté ce coup de papier-là. Il y a une petite règle qui sort aussi, hein. Fait que je peux couper des belles lignes droites avec ça. Fait que ça, c'est tout ce qui est passé dans le monde de coloriage. Tranquillement, pas vite, je suis en train de sortir ma panne. Je me suis dit, quelle belle façon de sortir d'une panne, de faire une mythographique en crayon aquarellable, une de mes matériels préférés. D'ailleurs, je vais checker pour acheter une coupe de Albrecht Dürer ou peut-être le Graphitint, je sais pas, là. Parce que j'avoue, quand je regarde le nuancier Zazu m'a fait, là, tu sais, il y en a des couleurs comme lui, ici, là, super belle. Lui, tu sais, il y en a des belles dans l'Inktense, mais garde-moi ça. J'aime lui, il y en a plein dans les Graphitint aussi. Moi, je pense qu'elle a dû graffiner juste au cas, là, elle savait que ça me tenterait aussi, hein. C'est pas grave, tu sais. Et là, je veux aller sur un autre bail, fait que ça va être vraiment dur. Mais c'est parce que je trouve que j'aimerais servir de tous les beaux matériels que j'ai. Puis, je viens de découvrir que je peux gamer sur mon console. Fait que je vais avoir un petit peu moins de temps de colorier, je pense, parce que mon console, en guillemets, c'est celle de mon mari. Il vient de m'acheter Diablo 4. Hey, fun! Oh, je capote, là. Je suis loin. Je suis pas loin d'un jeu. Je suis loin d'être fini, mais je le trouve vraiment plaisant à jouer. Fait que là, j'ai joué un petit peu à ça. Je pense que j'ai joué comme 3-4 heures. Hier soir, après que mon mari est couché, j'ai joué 1 heure, puis finalement, j'ai fait mon nuancier. Puis, je suis très content avec le résultat, fait que j'ai hâte qu'il arrive pour que je puisse y montrer. J'ai couché à 4h30, 5h du matin. Et je me suis levé en drop de sucre encore à 8h30, puis là, on est 10h45 le matin. J'arrivais pas à dormir, fait que j'ai dit, tant pas dormir, on va faire un petit color chat aujourd'hui avec mes amis. Parce que vous savez, qu'est-ce que j'aime faire le lundi? Mes color chat avec mes amis. Fait que là, c'est ça, je suis en train de... Si j'arrive à pas acheter, c'est sûr, ça va être un petit peu plate pour vous autres, parce qu'à part des hauls de Dollarama, il y aura pas de flip de livre, il y aura pas de nouveau achat, ben ben. Mais, ça va me permettre d'acheter la caméra plus vite. Puis une meilleure caméra va dire plus de stock qu'on peut faire. Ça veut pas dire que je colorerai pas. Écoute, j'ai une bibliothèque de livres. Tu l'as vu avec ma collection. Fait que j'ai beaucoup de matériel aussi. Fait que je pense que je vais être capable quand même de faire des affaires bien pour ma chaîne sans acheter tout le temps. Parce que c'est bien comme un sec, hein. C'est le fun d'avoir des nouvelles affaires, mais on dirait qu'on veut toujours plus. Je sais pas si je suis seul comme ça, là. J'espère que non, là, mais gars. On sait jamais. C'est comme j'ai vu CSY a sorti des nouveaux peintures. C'est sûr, c'est en termes. Étant donné, j'ai tout sauf ces deux nouveaux-là. CSY Gallery, je parle. Mais ça, regarde. Avec la palette que je viens d'avoir en cadeau de Zazu, mon ami. Hein, mon ami Zazu. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir plus de peinture. Aquarelle, là. J'en ai plein. J'ai des swatchs à faire. Je suis en train de re-swatcher tout mon matériel. Je sais pas si ça t'intéresse ou pas, là. Mais j'ai plein d'aquarelles. J'ai plein de crayons à re-swatcher. J'ai mes encres à faire. Fait que je pense que quand je vais poigner une gamme de crayons pour colorier avec, je vais swatcher. Comme ça, mais je n'ai pas l'impression que je fais juste ça.
Parce que du swatching, ça peut être long, même si t'aimes ça. Tu sais, j'ai swatché mes calours 240, hein. Les Prisma, les Light Fast, Black Widow, Brutfunner Macaron. J'ai quand même pas mal de choses de swatcher. Puis il me reste encore plein à faire. Ce colo-là, je pense pas que ça dérange si je tourne pour faire mes pétales. Fait que c'est ce que je vais faire. Voilà, on est toujours bien placé. Là, si mon temps cette semaine permet, je veux faire le colorion ensemble dans le Sarah Richter à aquarelle. Ça veut dire que j'ai des swatchs d'aquarelle à faire cette semaine. Je sais pas si tu veux voir quand je re-swatch toutes, là. C'est vraiment votre avis, si tu veux ou pas, là. C'est sûr que je vais en avoir de fait par le temps que tu vois cette vidéo-là, parce qu'écoute, je suis pas sûr qu'il va sortir aujourd'hui. Mais c'est quand même, tu sais, c'est pas un projet qui va prendre 2 jours non plus, hein. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui fait des swatchs souvent parce que je sais pas faire du avance rapide. Tu sais, je sais pas faire beaucoup d'éditage, d'arrangage de vidéos. Mais mon titre dedans, c'est pas mal ça. Fait qu'en tout cas, je vous laisse ça. Tu m'en parleras si tu veux. On checkera ça. Mais moi, je pense que vu que c'est du vieux matériel, puis c'est rien de nouveau, que ça change pas grand-chose. Mais tant à remplir le livre de swatch, je me dis peut-être tu voudrais voir ça. Pour être un ciré. Swatch tous mes matériels avec moi. Il y en a, parce qu'il faut que je re-swatch tout. C'est juste mes pastels puis mes Carbatello. Je sais pas si je vais swatcher. Ou peut-être je ferai un livre spécial où ce que je plastifie les pages. Pour ça, il faut que j'ajoute d'autres pages, mais ça garderait le craie, les pastels en place. Checkerait ça. Là, pour le moment, j'ai pas assez de pochettes, là. Mais ça pourrait être une idée. Je sais, ça va légèrement changer de couleur, mais d'un autre côté, ça garderait les pastels en place. Puis j'aurais une idée c'est quoi les couleurs en place d'aller à perf dessus. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Là, c'est pas tout de suite. Comme là, il faut que j'achète du encre. J'ai eu mon PDF de Freaks d'Amandine Young. Puis j'ai plus d'encre dans mon imprimante parce que je viens d'acheter une imprimante. Faut que je. Tu sais, il donne juste un petit peu. Puis il fallait que je teste. Fait que là, à la fin du mois, mon mari est supposé de m'acheter une cartouche. Après ça, je vais imprimer, puis aller dans ce merveilleux livre-là. Il est juste trop beau. Mais là, faut que je commande lui. Tu sais, je viens de dire que je veux pas acheter, mais je veux commander Freaks, puis je veux commander de Pin-Ups. Fait que là, je sais pas comment je vais ranger ça. Peut-être faire des beaux yeux à mon mari, puis me demander gentil s'il me pognerait ces deux-là. Je vais voir. Avec le temps. Là, c'est fête des pères, fin de semaine prochaine. Et là, mon mari, il veut pas aller au resto, à rien. Il veut que j'ai cuit un repas ici. Je pense qu'il a demandé des tacos. Il adore ça, lui. Trop d'eau. Fait que c'est son choix. J'ai offert de faire un poulet à rôtisserie. Je fais ça dans le fourneau, mais c'est les pièces qu'il aime que je mette dessus. Ou, tu sais, j'ai fait un repas de son choix. Fait que là, à date, ça gosse, ça va être des tacos. Et moi, que j'ai du tacos, c'est bien simple, hein? C'est du épice à tacos avec du viande hachée. Fromage, râpé, puis lui, il aime oignon, tomate, puis salade. C'est ça, des tacos. Sur une tortilla. Un tortilla mou, parce qu'il aime pas les croustillants. Fait que, très simple, mais très délicieux.
C'est une de ses affaires préférées. Puis avant, il détestait ça. C'est parce qu'il aimait pas les tortillas croustillants. Puis après qu'il a goûté à celle qui est mou, il adore ça. Les cendres de mes fleurs, je pense que je vais prendre du paillette, style au gel, ou quelque chose, je sais pas encore. C'est ça, on a acheté Diablo 4 en fin de semaine. C'est un jeu, t'es un héros, tu tues des démons. Je suis au début. Je suis un petit peu déçu que ça joue un qu'en ligne, puis tu vois dans le monde. Mais je jouais à des jeux en ligne de toute façon, fait que c'est pas grave pour ça. J'aurais aimé mieux que ça joue tout hors ligne, mais gars. Ça joue. Mettons, t'as un ami qui a. Moi, j'ai une Xbox. Fait que ça marche avec les Xbox. Mais moi, c'est Series X, là, qui appelle. C'est à mon mari, mais on s'entend dessus, c'est dans mes maisons. J'ai appris que, mettons, l'ami à mon mari, il a le jeu. Mais lui, il joue sur son ordi qui est un produit Microsoft avec Windows. Mais il pourrait jouer ensemble. Oups, on va le remettre de même. Mon mari sur notre Xbox, puis son ami sur son ordinateur. Fait que c'est fun parce que je vais te dire, j'ai resté assez surpris du prix des jeux aujourd'hui. Avant, tu sais, un jeu 60, 50, plus taxes, tu sais. Tu dis, OK, c'est cher, mais ça va. Oh non! 89,99 plus taxes, ça a venu au-dessus 100 $ pour un jeu. J'ai dit à ma mère, on est mieux d'aimer les jeux qu'on achète, hein, parce que ces jeux d'une année, c'est 600 $, là. Et avant, on achetait ça comme si rien n'était, parce que ça valait pas cher, mais. Là, l'autre jeu qu'on veut là cette année, c'est Hogwarts Legacy, fait que. On se dit peut-être on le mettrait en sous l'arbre de Noël, vu qu'on a acheté Diablo. On décidera, mais pour le moment, je m'amuse pas mal avec le Diablo. Même, je te dirais, vraiment pas mal. Faut casser avec les jeux, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui joue des jeux comme ça. Là, le Deep Blue Metagraphic qui sort cette semaine. Ouais, ça, je voulais dire pour le No Buy, je vais peut-être m'acheter un Froissanté Metagraphic. J'ai la collection, j'aime ça, j'aimerais le continuer. Même si mois prochain, je pense pas d'être capable d'acheter la Deep Blue. Mais ils vont tous finir par arriver. Tu sais, j'ai toute la date, sauf la Deep Blue. Puis on parle pas de Dreamweaver non plus, parce que j'aime pas cet artiste-là. Mais à date, tout ce qui est de Fabian Athanasio puis Joseph Katembang, à l'exception de Deep Blue, qui va sortir. Je les ai toutes. Puis, j'ai l'intention d'y aller plus en plus dans ces livres-là. Je les aime, c'est un plaisir colorier. Là, j'ai pas fait le chariot, mais j'ai quand même fait... Hein? J'ai fait celui-là, déjà. Puis, le fond est aquarelle. Ça a pas frippé trop, trop. Tu sais, un petit peu. Mais, tu sais, il me reste le chariot à faire. Celle que Zazu a mis comme nom officiel pour son fil rouge. Fait que je sais pas. Le blanc pis le noir, c'est deux choses à colorier qui me fait terriblement peur. Fait que j'évite. Mais il faut que je change ça. Parce que il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, beaucoup de colos. Qu'il y a des ailes, qu'il y a quelque chose, puis j'évite de les faire à cause de ça. Fait que je vais re-regarder le tuto de noir, de oiseau noir, corbeau, que Zazu a fait, vu que j'ai les prismacolores. Puis son tuto était avec ça. Puis je vais pratiquer. Puis si j'ai des ratés, ça va être des ratés spectaculaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des ratés, ça va arriver.
L'important, c'est pas abandonner puis continuer. Je me demandais si je n'étais pas faire mon color chat aujourd'hui. J'ai essayé de dormir, puis finalement, ça n'a pas marché. La soirée, j'ai pas de souper à cuire. Mon gars veut là du cordon bleu. C'est un vrai goût de boulette en canne, cordon bleu. On a dû payer ma linge, payer mes ondes en fond, payer crouteux frais. Fait que c'est ça, souper, fait que j'ai pas besoin de cuire. Mais à soir, je vais cuire des côtes du macaroni. Et un jambon toupie parce que demain je fais un salade de repas. C'est les coudes, mais des pâtes alimentaires. Moi, je prends du macaroni. Ou qu'est-ce que mes hommes m'ont acheté, j'ai même pas checké. Mais généralement, je prends soit des fusilli ou des macaronis. Du jambon coupé en cubes. Il y a des échalotes, il y a des cocombes, puis des fois, je mets des poivrons rouges. Avec du mayonnaise, puis un petit peu de sauce salade pour salade de choux. On brasse ça ensemble avec du sel poivre, puis c'est un repas. Mon gars aime ça, c'est peut-être pas la meilleure chose pour la santé. Santé, mais ça, il plaît. Puis ça, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait comme récent, comme 33 avec l'humidité, fait que. J'ai mon air climatisé qui rentre, puis que je suis désolé si ça fait du bruit en arrière. J'avais oublié de dire au début. Mais moi, quand il fait chaud, je sens pas bien. J'aime pas ça. Je tolère pas la chaleur pantoute. Fait que mon mari, quand il commence à faire chaud, il m'arrange ça parce qu'il sait que. Moi, quand je dis je tolère pas la chaleur, là, je viens physiquement malade, là. Fait que là. Je suis en train de checker. Si je ne vais pas faire ma commande en ligne, j'ai des crayons pour renouveler, mais que je vends des crayons à la fin du mois, ou si je vais aller en personne chez Dessert les acheter. Parce que j'ai pas envie d'acheter trois de la même crayon. Tu sais, j'en ai certaines, ça me dérange pas, mais d'autres, ça m'intéresse pas. Puis, il y a une couleur de peinture de Van Gogh que j'aimerais avoir aussi. Okay. Je pense que c'est les Indian Throne Blue. Puis j'aimerais aller voir pour quelques affaires. Fait que je sais pas. J'ai dit à mon mari, je vais y penser. Je vais voir comment que je file aussi. Je vais mieux. Je reprends mon énergie depuis mon voyage de Gaspé, mais je sais pas, on dirait que je suis fatigué. Mais là, j'ai dit à mon mari qu'à toutes les semaines, j'aimerais aller soit à un ou l'autre Dollarama, ce que je sais que je suis capable de marcher. Pour, tu sais, pas nécessairement faire des achats, mais tu sais, c'est sûr, je vais checker le stock de bricolage, puis, tu sais, voir s'il y a des nouvelles affaires pour mon colo, puis, peut-être du scrapbooking, vu que je viens de trouver que j'aime ça. Et voir qu'est-ce que je peux trouver, puis juste le fait de bouger, tu sais, pour aider ma mobilité. Tu sais. Ça a l'air niaiseux pour du monde, mais quand t'as perdu ton mobilité, rien que de marcher 5 minutes, c'est dur. Fait que je me dis, à force de le faire, je vais sûrement me renforcer. C'est ça mon espérance, en tout cas. Puis mon mari était d'accord, ça ne dérangeait pas de m'emmener. Fait que c'est comme qui dit, s'il y a des petites affaires que tu veux, ça vaut pas cher. Fait que. Fait que c'est ça que. Hey, il y a des plumes sur les oiseaux. Sur les poissons. C'est pas des écailles, c'est des plumes. Hein? Je sais pas quelle couleur je vais y mettre, mais on va voir. Excuse-moi, je vais tourner la livre parce que le oiseau. Le fleur, il est ici, dans le coin en bas. Est-ce que tu le vois, non? On va essayer de. Tiens! On se voit encore. J'espère que l'ombrage n'est pas trop fatigant parce que je sais vraiment pas quoi faire, à part de switcher de caméra. Si je fais ça va être plus dur à faire des zooms. Faut que j'attende vraiment votre opinion là-dessus. Sérieux, là? Tiens, on va essayer de quoi? Je te mets sur pause, je check quelque chose. Désolé. Je voulais juste voir si je pouvais dézoomer. Qu'est-ce que ça donnait?
Fait qu'on peut ajuster le trépied pour dézoomer. Fait que peut-être c'est ça. Faudrait peut-être que je prenne mon autre caméra avec la lumière pour le mettre où ce qu'il y a. Lui, je sais pas. Puis regarder pour le micro. Si ça peut aider, je sais pas. Je suis ouvert à suggestions sérieuses parce que là, j'ai assez de d'améliorer pour vous autres, rendre ça plus agréable. Tu sais, je fais pas d'argent avec ça, c'est un hobby. Mais un hobby. C'est une passion plutôt. C'est une façon de partager ma passion avec vous autres. Et en même temps, d'être plus social. Parce que quand, dans ma situation, je suis très isolée. Puis, c'est facile à oublier. Que, tu sais, comment je peux dire ça? Moi, des fois, là, avant que je me force à sortir, puis tout, puis je sentais mieux, je pouvais être 2 mois sans sortir de ma maison. Fait que les 100 personnes que je voyais, c'était mon fils puis mon mari. Et si quelqu'un m'appelle au téléphone, je parle avec. Puis après que j'ai commencé à colorier, puis j'ai ma chaîne surtout, je me suis fait des nouveaux amis. Ça a changé ma vie. Parce que je suis pas tout seul. Et quand j'étais en Gaspésie, là, je sais pas si ça va sortir. Je pense, il y a une femme qui écrit pour un journal, qui a écrit un article sur moi, puis qui a mentionné le livre de Simone, puis comment elle a procuré son livre. C'est un petit journal local anglais. Ou ce que il crie à propos des personnes de Gaspésie qui fait de quoi. T'as moi ma chaîne, je me voyais pas comme si c'était une grosse affaire, mais apparemment c'est quelque chose de gros pour eux autres. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en avoir avec ça, si ça va sortir, non, aucune idée. Mais c'est l'idée était cool. On va mettre l'image que j'ai coloriée pour le livre de Simone dans l'article. Puis, je trouvais ça juste fun, tu sais. Ils vont parler du notre petit monde. Un peu. Puis, tu sais, peut-être le monde qui connaît pas ça va la connaître à cause de ça. Puis, ça va peut-être ouvrir un nouveau monde à d'autres personnes aussi. Puis, ça. Moi, en tout cas, c'était un deuil, puis la solitude du COVID. Parce que normalement, tu sais, quand tu fais un deuil, t'es entouré par tes amis, puis ta famille, puis, tu sais, t'es pas coincé. Mais ma mère est décédée quand la pandémie a commencé. Tu sais, le premier cas de COVID était en Toronto. Je revenais de Gaspésie pour un test sur mon cœur. Fait que je pouvais même pas être à l'hôpital avec elle. Ben, j'ai été la voir, là, mais tu sais, je pouvais pas être là pour ces derniers moments. Je sais, j'ai jamais parlé de ça, mais j'ai envie de partager ça. Puis, après ça, le COVID a frappé. Fait que ses funérailles ont eu lieu en mois de juillet et mort en février. Et puis, on n'avait même pas le droit dans l'église. Fallait qu'on fasse ça juste à côté, dehors. Fait que, tu sais, elle a pas eu ça comme, c'était pas comme d'habitude. Puis, je te dis, le monde de colo m'a sauvé. J'étais plongé en grande dépression. Je faisais du diamond painting au début. Mais, on dirait que quand j'ai découvert le coloriage, là, ça a cliqué, ça a guéri de quoi dans moi. Puis quand j'ai fait ma chaîne, ça m'a donné un vie avec des amis que j'y aurais jamais pensé d'avoir. Pas que j'étais pas content avec ma vie que j'ai, parce que je suis très heureux dans mon petit trou chez nous, avec mon mari puis mon fils, mais tu sais, c'est pas pareil parler à quelqu'un qui aime colorier que parler à quelqu'un qui sait rien mais qui est d'humeur, tu sais.
Et tu sais, ils vont m'écouter, ils vont dire, ah, oh, c'est cool, puis tout, mais c'est pas comme si tu parles à quelqu'un comme, tu sais, l'autre, mais avant que j'achète mes light face, je parlais à Zazu de les light face, puis mon mari nous entendait, puis là, il voulait, pourquoi celles-là sont mieux que les autres? Puis c'est là on parlait, tu sais, parce que c'est notre passion, on adore colorier, nous autres, là. Puis à force de parler de ça, mais là, il a dit, OK, je comprends. Puis c'est là qu'ils ont acheté. Fait que Zazu, elle a insisté à mon mari qui m'a carrément, ah ouais, vas-y, achète-les. M'attendais pas à ça pantoute. Fait que, tu sais, parler du monde, de quelque chose que t'aimes. Un instant. Je me lave ça dans la manche, ça fait du bruit, là. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un de quelque chose que t'aimes, puis il a la même passion que toi, c'est différent. C'est pas la même chose que parler à quelqu'un qui connaît pas ça, qui fait juste dire ouais, pour te faire plaisir, tu sais, parce qu'ils savent que t'aimes ça. Puis ce monde-là, il t'aime, fait qu'il veut t'écouter, même s'ils savent pas c'est quoi, tu sais. Et que ça m'a apporté ça, et capable de partager une passion avec vous autres. Puis des amitiés. Fait que c'est juste ça que je voulais partager. Fait que j'espère que. Un instant. Je vais aller boire quelque chose. OK, moi voilà. Fait que j'espère que même si je fais pas souvent des hors des affaires, que tu vas quand même revenir pour nos petites Josette le lundi. C'est à chaque fois que je mets une vidéo, j'attends avec impatience, hein? Les commentaires, j'adore parler avec vous autres. Comme là, on est lundi le 12 juin. Puis j'ai comme 3 ou 4 colos de fête ce mois-ci. Je suis en semi-panne. Je dis semi parce que je suis color quand même un petit peu, mais je sais pas. C'est pour ça que je me suis forcé pour finir mon nuancier parce que je parlais à mon amie Chloé. Puis elle disait, elle, quand elle avait refait ses nuanciers, ça y a fait une panne. Ça a duré jusqu'à temps qu'elle a fini la nuancier. Fait que je me suis dit, mais si c'est que mon nuancier qui fait ça, mais je vais le finir. Fait qu'hier, c'est ça que j'ai fait. Mais j'ai au moins mis ensemble. Faut comme ça, quand je vais prendre le matériel, j'ai rien qu'à le swatcher. Puis techniquement, ça devrait, c'est ça, c'est causé qui causait la panne, ça devrait être fini. On espère. On va voir, hein? Oh, je te dis. Mais tu sais. Je pense arriver à tout le monde, puis quand tu colores la quantité de colos que je fais, je pense que c'est ce qui arrive. À un moment donné, on vient juste comme trop saturé, on sait plus quoi faire. Puis là, quand on arrive pour colorier, on est bloqué, comme. C'est ça, de toute façon, je peux expliquer ça. Mais là, j'ai Pampin qui est même pas fini dans les Seasons. J'ai le nouveau fil rouge Ariel à faire. Puis là, je sais même pas si je suis capable de prendre des crayons aquarellables dans ce livre-là de ces 4 saisons de Disney. Ah, je sais pas. Faut que je teste, mais j'ai peur de gondoler une page. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que moi, j'aime bien prendre du aquarellable, du aquarelle. Surtout pour des grandes zones, fait que je vais être obligé de revisiter comment je vais faire ça. Stop. On va switcher encore. Attends. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Attends, j'ai besoin de pointer. Là, mon aiguiseur électrique est trop petit pour mes Aurechteurs. Pourtant, il fait toutes mes Derwent. Fait que c'est surprenant. Fait que je prends mon Staedtler pour ça.
Pas ça, c'est trop long. Et on va faire comme ça. J'aime pas ça, c'est de côté non plus, mais j'aime mieux de côté puis plus proche que être trop loin et puis pas capable de voir qu'est-ce que je fais. Après ça, je pense que je vais préparer mon current chat pour aller sur YouTube. Tant qu'il y a télécharge, je vais peut-être essayer de dormir sur du vent un petit peu. Et un coup qu'il est sur YouTube, je vais essayer de dormir dans mon lit. Encore. J'espère qu'il y a des nouveaux vidéos. J'espère que Zazu va sortir la vidéo de son colis que j'ai envoyé bientôt. J'ai hâte de voir si elle a aimé ça. Tu as vu ces colorions ensemble commencer à sortir, hein? Ils sont super belles, ça, déclarait à Markova. Ça va être quatre parties, si j'ai bien vu. C'est de valeur, j'ai pas ce livre-là parce que je pense que je l'aurais suivi, hein? Puis pour le monde qui veut le suivre, il existe un chart de conversion fait par My Colorful Country Life. Puis là, elle vient de le mettre à jour, elle a rajouté une gamme de crayons, je pense, si j'ai bien compris. Je pense qu'elle a rajouté les RTX 126, si je me trompe pas. Ça se peut, je me trompe, là. Fait que... Mais c'est fun si t'as pas toutes les gammes de crayons puis tu veux suivre un tutoriel, là. C'est fun pour ça. Je te montrerai ça si tu veux. C'est juste à côté de moi. Mais j'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne. Mais tu sais, c'est comme le buff titanium de luminance, je l'adore. Mais j'ai pas de luminance, fait que là, je dis, ben, j'en ai-tu dans mes gammes, qui est l'équivalent? Puis dans les Castle Arts, oups, les Castle Arts, Pastel Tint, il y en a une qui ressemble à ça, supposé. Fait que, tu sais, ça t'aide. C'est pas identique parce que j'ai testé des crayons, puis c'est pas tout à fait la même affaire, mais ça dépend. Surtout si t'as pas la gamme qui prend puis t'as envie de suivre, là. Ça te permet quand même d'essayer. Excuse le bruit de l'eau. Je sais pas si c'est bien fort ou non, mais ça va être pas long. J'espère que c'était pas trop bruyant. Ben, c'est ça. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses pour le caméscope. Si tu penses que ça pourrait être cool, que je peux zoomer pas mal plus, puis c'était mieux que je prenne le trépied que j'ai, mais avec mon autre caméra qui a la lumière, tu me diras, ou si tu trouves que c'est correct comme qu'on a fait. Parce qu'au début, tu sais, j'avais l'autre caméra. Oups! OK, faut que ça c'est fait, les fleurs sont faites. Ben, il reste le centre, là, mais ça, j'y fais pas tout de suite. Je te mets sur pause, je choisis les couleurs, je te reviens. OK, mes couleurs sont choisies. J'ai le 174, le Chromium Green Opaque, le 167 Permanent Green Olive. C'est de le mettre à une place que tu peux le voir. Ça va être toujours un plaisir. 168, Earth Green Yellowish. OK. On va essayer ça. C'est les fins. On va voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va être beau. On va voir. Tu vas être qu'est-ce que je fais même pas? On va aller comme ça. Tiens. Là, tu es loin. Ok, ça te dérange. Je suis pas mal sûr que la plupart d'entre vous autres, t'es en train de colorier vous autres aussi. Puis ça, c'est correct. Ça, c'est le but de nos lundi jasettes. C'est qu'on se colore chacun notre bord. Puis on se prend une visite ensemble.
Là, vu que mon niveau de fatigue diminue, j'ai des plans que je veux faire. Et pour ça, c'est pour ça que je te demande plein d'opinions. Parce que je veux améliorer ma chaîne, mais vu que faut que je choisis mes batailles, vu que tu sais, avec mes problèmes de santé, puis mon niveau de fatigue et tout, faut que je choisis les. Ah, elle est belle, celle-là. J'aime ça, ce mélange-là. Fait que je frappe dans mille. Tu sais, je fais qu'est-ce que vous autres, tu veux voir aussi. Là, j'ai vu quelqu'un qui sort des RTX aquarellables. Non. Marqueur acrylique, puis je capote dessus. Mais je me dis, tu veux les tous les arts, c'est assez. T'en as assez. Avec toutes les OU puis les artistraux que t'as. Mais tu sais, faut vraiment que tu te calmes, là. C'est plus facile dit que fait, maintenant. On dirait qu'on collectionne aussi, hein. Puis un collectionneur, c'est problématique parce qu'on veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. Tu sais, il y a du monde qui sont contents avec un livre ou deux. Puis on dirait, moi, il n'y a pas de fin. J'en veux toujours plus et plus. Ben, c'est ça que j'essaie d'arrêter cette année. Je veux calmer ça. J'ai déjà échequé mon 30 livres. J'ai arrêté de les compter. Je sais même pas si je suis rendu à combien. Puis honnêtement, j'ai peur de savoir. Un instant. Désolé, téléphone. Fait que c'est ça. C'est dur à arrêter parce qu'on voit tout le temps des nouvelles affaires qu'on veut essayer. Mais là, grâce à Zazu, je peux tester toutes sortes de nouvelles affaires. Même si ça a réveillé un amour pour cette cause que j'avais pas avant. Mais c'est pas grave, tu sais. J'ai testé ces angles, j'ai fait des petites. J'ai pris 16-7, j'ai fait des petits picots dans mon coloriage que j'ai fait dans Chibitaro. Je vais te montrer à la fin du mois. Et ces gros marqueurs, comme 16-7, là. J'ai adore. Fait que ça va être quelque chose à prendre plus. Tu sais, il y a des choses que je connaissais pas. Fait que c'est vraiment fun. Ça m'a permis vraiment d'essayer des affaires. Je sais que qu'il doit pas avoir grand-chose que j'ai envoyé à elle, qu'elle a pas essayé déjà ou quelque chose, mais on est content avec qu'est-ce qu'on switch, puis c'est ça qui compte. J'ai adoré faire cet échange-là. On n'était pas supposé de faire un autre suite, mais j'avais acheté le deuxième Crystal Vogs, puis j'aimais pas. Puis elle voulait l'avoir, fait que c'était une chance de faire une autre boîte, fait que c'est ça qu'on a fait. Mais là, on devrait être correct pour un certain temps, j'espère. Mais la méga palette qu'elle m'a faite, là, je suis tellement content, là. Puis je peux même pas exprimer comment que ça m'a touché, qu'elle m'a envoyé une palette de même, qu'elle m'a fait le nuancier. Tu sais, c'est vraiment super gentil. Ça me fait sentir spécial. Puis, merci. Je sais que tu vas écouter mon color chat, mon ami. Fait que je te dis merci encore. Ah, c'est beau, ces feuilles-là. Ouais. J'aime ça. Poisson, poisson. Et ça, c'est nos feuilles. Faut vraiment faire ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui fait le fil rouge? Pour Zazu? Ah, fait que je fais mon fil rouge aussi. Elle est pas encore faite, mais elle s'en vient. Comme je te dis, j'avais une semi-épargne de colo. J'appelle ça un semi parce que je colorais quand même un petit peu. Juste pas beaucoup, là, tu sais. Fait que. Mais là, j'essaie d'arrêter ça. J'ai ennui de colorier, mais en même temps, on dirait, je regardais mes livres, puis c'était comme un blanc. J'avais pas d'inspiration, je sais pas.
Ah oui, j'ai vu de quoi en fin de semaine, je me souviens pas. C'est quelle chaîne de colo? Je suis désolée, là. J'écoute beaucoup de chaînes, hein. Mais il y a quelqu'un qui a montré qu'une de ses amies a fait, tu sais, les cubes Sarah Renee Clark, là, elle a les palettes en PDF, mais elle a tout imprimé les PDF en couleur, puis elle a plastifié ça, puis elle a donné ça à les YouTubers. Mais je sais pas c'est qui, puis c'est quelle chaîne, je suis désolée, là. J'aurais aimé ça si, de le dire, mais je sais vraiment plus c'est qui. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, Caroline, c'est une bonne idée si t'as une imprimante en couleur. Tu peux faire ça, puis ça te reste. Parce que je vais être honnête, les cubes sont très dispendieux, là. Moi, j'ai PDF. Puis, c'est fun parce que ça te donne des idées quand tu sais pas quoi colorier, mais ça te change pas. Si t'es en panne, ça te donne pas plus d'inspiration de colorier, hein. Mon mari, il va au dentiste cette semaine pour son nettoyage, puis il dit qu'il y a un plombage à faire cette année. Moi, mon nettoyage est en mois d'août, mais j'ai tellement pas d'autre, là. Ça m'a pas aidé que l'autre dentiste, il a gaffé mon dent. Puis c'est ça qui m'énerve. Puis là, je sais que quand je fais le nettoyage, c'est beaucoup de piqûres parce qu'il me gèle la bouche, parce que c'est trop sensible, puis c'est juste un paquet de niaisage que ça me tente pas. Des fois, je me dis, j'ai envie de juste d'attendre qu'ils pourrissent, puis je vais pour les ôter, puis je mets une dentille après. Il me semble ça serait moins niaisage, mais d'un autre côté, tu sais. Tant qu'un set de dents, si je les aime pas de dentille, je vais regretter. Ok, je sais pas. Je dis à mon mari, je dis, si on n'est pas capable d'avoir une dentier, mais j'en porterai pas. Pas comme si je sors ben, mais tu sais. Comme qu'il dit, on a une assurance qui paye les dents. Si je suis capable de les sauver, aussi bien d'essayer de les sauver le plus long possible. Mais lui, il est chanceux, il n'a pas besoin de faire geler sa bouche juste pour un nettoyage. Puis moi, après, à cause que j'ai pas beaucoup de gencives, mais j'ai la douleur dans ma bouche pour quasiment une semaine. Je vais être obligé de tenir ma lèvre après quand je parle. Fait que tu sais, je vais parler comme ça. Sais, à cause que quand l'air va aller sur mes gencives, ça va me faire mal. Puis, mais c'est pas mes gencives qui font mal, c'est les racines des dents qui font mal, non? Mais l'année passée, ça a fait que j'avais pas de mal tout le temps, fait que ça vaut la peine sur le long. Mais en même temps, tu sais. Je suis nerveux au dentiste, puis là, l'hygiéniste qui a fait mon dernier nettoyage, qui a pris son temps, qui a fait attention, et il est en arrêt de maternité. Fait que là, c'est un nouveau que je connais pas, fait que là, ça augmente mon anxiété. J'étais supposé d'y aller au mois de mai, puis je l'ai annulé parce que mon anxiété était trop élevée, là. Et ça va être beau, ça, c'est fait avec ces fleurs-là. Je pense, en tout cas. En tout cas, je suis content que Zazu fait un fil rouge dans la mythographique. Je pense qu'il n'existe aucun fil rouge dans la mythographique. Elle est la seule et unique. Oui, ok, ça va être 6 colos. 7 si tu fais celle de mon passé. Mais d'un autre côté, on va faire un Christine Caron hâte aussi. Faut qu'on n'écœure pas. Puis on avance 2 de nos livres. Tu sais, c'est quand même cool pour ça. Puis celle du Disney, mais écoute, la 4 saisons, tout le monde est tombé en amour avec, hein? Fait qu'on va se le dire. On est tous contents pour ça aussi. Qui va faire ce fil rouge-là? Moi, je vais essayer le plus possible. Normalement, ça aurait pas été dur pour moi de rattraper puis faire ça, mais je sais pas. Il y a de quoi ce mois-ci qui va pas. On dirait le fait de colorier m'a rendu épuisé. Puis pourtant, d'habitude, c'est pas le cas. J'ai besoin de faire une coupe de color chat, je pense, puis des titres à FaceTime avec des amis en coloriant.
Okay. Je pense que c'est ce qui va arriver cette semaine. Je vais m'arranger, trouver du temps pour mes amis. Okay. Tu vas pas surpris si je t'écris puis je te dis je veux des chats. Tu sais vous êtes qui, mes amis qui ont fait ça. Je trouve ça dur. L'emplacement de mon portable est pas bien. Je suis frustré avec ça. Il y a de quoi qui va pas. J'ai changé, puis le portable est pas une place que je peux écrire facile. Et je sais pas. Tout ça ensemble, je pense que c'est ça qui aide pas. J'aime pas des changements, ça me frustre. Puis là, le fait que mon portable est pas une place très accommodante, mettons. Mais ça me choque. De pas être à l'aise. Tu sais, quand j'écris, il faut que je tasse parce que l'étagère à côté est trop haut. Fait que là, je place exactement où ce qu'on est, là. Parce qu'il marche à pas où ce que je l'avais testé. Fait que là, quand il est placé où ce que je colore, mais tu peux pas colorier. Fait que je suis en train de checker mes options, là. Quand j'ai dit à mon mari, j'ai dit, faut que je trouve des solutions. Comme que mon mari a dit, il n'y a pas de problème, il y a juste solution. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être pas pire? Je pense que oui. On va voir, mais que je fais cette nuit-là. Puis après ça, je fais cette fille-là, puis après ça, je vais arrêter, je vais essayer de... Quelle heure, là? Dîner, puis aller m'allonger. Parce que là, il est 11h34. Non, je peux pas allonger. Je veux mettre cette vidéo-là sur YouTube en premier, mais je peux m'allonger sur du vent. Mon jeu Disney aussi a eu une mise à jour. Il va continuer l'histoire. Puis là, on peut déloquer le gentil fée de Cendrillon, là. En anglais, c'est Fairy Godmother, là. Mais elle, là, on va être capable de déloquer. Elle, puis elle continue l'histoire dans mon jeu. Que j'ai quasiment pas joué non plus. Mon mari est accroché sur un jeu, ça s'appelle Stranded Deep. T'es sur une île déserte, puis fait que tu t'arranges pour sortir de là. Là, il a fait un gyrocopter, il est tout fier. Tu sais, c'est vraiment compliqué, là. Fait que tu fais ton gaz avec des patates. Mais pour avoir des patates, faut que tu fais pousser des plants de patates. Mais il capote sur le jeu. Fait qu'il joue. Ton bonhomme a tout le temps soif, il a tout le temps faim, il a tout le temps chaud. T'es un vrai Famelette, si on va, mais il capote sur le jeu. Je pense que j'ai jamais vu jouer autant dans un jeu qui est pas un MMORPG en longtemps. C'est même surprenant de le voir comment il joue. C'est fun parce que ça veut dire son console, il est vraiment content avec. Parce que moi puis mon fils, on n'était pas sûr au début là s'il aurait aimé ça. Fait que c'est fun de savoir qu'on a frappé dans le mille avec ça. Tu sais, quand t'achètes pour quelqu'un puis il est pas au courant, tu sais jamais, hein? Puis je vais te dire le Xbox X, là. Il est pas donné, pas en doute. Mais si mon mari, ça y plaît, il le mérite. Il est assez gentil avec nous autres, il fait tout pour nous autres, puis il sacrifierait tout pour nous autres. Fait que on veut juste qu'il soit heureux. Mon fils, lui, il nous aide. Depuis que mon mari et son pied est blessé, qui va mieux en passant? Il prend un petit peu de la relève. D'habitude, c'est mon mari qui sort les poubelles puis tout ça. Mais à cause qu'il a besoin de reposer son pied, c'est mon fils qui le fait pour lui en place. Puis c'est vraiment gentil parce que il aime pas trop ça. Il a la phobie des guêpes. Et pas une petite phobie, là. Une grosse, là. Quand il était jeune, il aurait pu courir dans la rue s'il y a une s'emmenait. Fait que là, il attend le soir. Ou ce qu'il peut pas les voir parce que, tu sais, des vidanges, il y a tout le temps des guêpes autour. Puis là, il va aller amener les vidanges. Fait comme ça, il les voit pas. Puis ça, il stresse moins. Mais c'est super gentil de sa part de prendre cette relève-là.
Pour aider son père, parce que le moins que mon mari a besoin de marcher sur son pied, plus vite ça peut guérir, hein? Et grâce à ça, ben, il est pas obligé de retourner voir la podiatre. C'est ça qu'il a appelé tout à l'heure. On a annulé son rendez-vous parce que son pied va beaucoup mieux. Fait qu'il dit que c'est pas nécessaire de retourner. Fait que je suis content de voir que ça guérit. Tu sais, c'est pas évident des fois, là, quand tu vois quelqu'un que t'aimes qui a mal. Moi, je suis habituée d'avoir mal, tu sais. Je prendrais mal de tout le monde, puis ça me dérangerait pas. Mais j'aime pas voir quand c'est mes hommes qui sont malades ou qui ont mal. Tu sais, moi, c'est le normal d'être malade ou avoir mal. C'est rien de nouveau pour moi. Mais j'aime pas les voir arrangés comme ça. J'étais quelqu'un qui a mal tout le temps dans ta vie quotidienne. Mais que ta famille va bien, tu sais qu'est-ce que je veux dire. C'est toujours dur de regarder quelqu'un que t'aimes qui a mal. Parce que toi, t'es habitué, c'est normal pour toi, mais eux autres, tu sais, c'est pas normal. Fait qu'on dirait, c'est juste comme plus dur à regarder. Parce que tu ferais tout pour vrai qu'il ait ce mal-là, tu sais. Je suis sûr qu'il y a fort de monde qui me comprend. Puis même si t'as pas mal tout le temps, juste de voir quelqu'un t'aime qui est pas bien, on n'aime pas ça. C'est nos cœurs, c'est nos vies. C'est notre famille, nos enfants, nos animaux même. Parce que, tu sais, je sais que il y a d'autres mondes qui pensent à leurs animaux comme moi, que c'est nos enfants, c'est nos bébés. Puis on n'aime pas les voir quand ils sont malades. Je me souviens que mon chat faisait des crises d'asthme, là. Oh, je dormais pas, là. C'était des nuits blanches pour être sûr qu'il était correct. Comme quand mon gars était bébé. Tu sais, on les aime, on veut pas rien arrive à personne qu'on aime. C'est comme je pense à tout le monde qui est obligé de se faire évacuer de leur maison. Oh, tu sais, au nord de Québec, puis... De tout cœur, je suis avec vous autres, là. C'est, j'espère que ça se calme puis ça arrête parce que c'est vraiment horrible qu'est-ce qui vous arrive, là. Puis je voulais juste dire que je pense fort à vous autres puis je souhaite un retour vite à vos maisons si c'est pas déjà fait, là. Parce que j'écoute pas souvent les nouvelles, ça me donne beaucoup d'anxiété. Je suis désolée, là. Si je suis pas au courant, puis vous êtes déjà rendu dans votre maison. Sinon, j'espère que tu retournes très vite chez vous. OK. Je sais, j'avais dit l'autre fille, ça serait mon dernier, mais là, je vais finir lui. Puis après ça, je vais arrêter. J'ai faim. Des fois, j'ai rien à dire, puis d'autres fois, ça. Je dis plein d'affaires, puis je dis rien en même temps, tu sais. Je me comprends pas. Aquarelle, là. Crayon aquarellable, ça, c'est mon affaire. Le plus relaxant, là, pour moi. J'en cherche des nouveaux gammes à essayer. Je sais. Pas supposé d'acheter, mais ça, c'est quelque chose, j'en ai pas beaucoup. Puis j'aimerais en avoir plus. Tiens, je crois que ça, c'est ça. Je vais tasser ces crayons-là. Je vais tasser ça. Et je vais te montrer en m'acquitter, en cas que ça t'intéresse, qu'est-ce que j'ai comme crayon aquarellable. Vu que ça soit cher. Je crois que ça, c'est mon colo pour le fil rouge d'Azazu. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, mon panier est rendu loin. OK. Crayon aquarellable. J'ai mes ZBrush d'horreur. La deuxième page. Mes crayons chouchou. Encore. Spectrum noir couleur blend. Ils sont bien, mais c'est des couleurs pâles, je trouve. Derwent métallique. Ils n'ont pas l'air métallisés, mais ils ont des belles couleurs. Derwent watercolor. Pas pire. Et les Derwent Intense, j'en ai pas beaucoup, mais pense que je vais me rajouter quelques couleurs. Donc voilà. Ça, c'était mon color chat pour cette semaine.
On va dire remettre le colo. Tiens. Fait que là-dessus, moi, je vais te dire merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. Si t'as aimé ma vidéo, oublie pas les petits pouces bleus. J'apprécie tout ça. Merci d'être abonné à tous mes abonnés. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés aussi. Et si t'es pas abonné, mais t'as aimé, qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui? Passez-y, c'est gratuit et ça montre qu'est-ce que t'aimes. Fait que je vais attendre vos commentaires sur les caméras pour voir comment qu'on va procéder. Et aussi, si tu veux voir, moi, je suis en train de swatcher tous mes crayons avec stylo gel pour mes mandalas. Et aussi, les marqueurs au UAO. Fait que j'attends vos nouvelles là-dessus. Fait que, à la prochaine vidéo. Bye bye!